Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une vidéo Call of Duty Mobile et également Modern Warfare 2019. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il va y avoir une double bêta. Restez bien jusqu'à la fin, on va parler des deux bêta, que ce soit MW19 ou Call of Duty Mobile. La rumeur dit que s'il y a 1000 pouces bleus, j'irai chez Activision pour demander la date de sortie exacte de Call of Duty Mobile. On va commencer avec les fonctionnalités de Modern Warfare 2019. Donc la semaine dernière, quelques youtubeurs ont pu s'extasier manette en main sur le nouveau Call of Duty Modern Warfare. Et du coup, on peut apporter les informations suivantes. Le pick and dim permettra de se pencher à l'angle d'un mur, donc ce qui fait très réaliste. La lunette des fusils sniper scintillera. Ça c'est bien, c'est un petit peu, vous savez, quand on est au soleil et qu'il y a un petit reflet des jumelles. Ça fait un petit peu pareil, donc encore du réalisme. Mais c'est des bons réalismes, pas ceux du futur. Il sera possible de s'entretuer avec un adversaire, ça j'arrive pas trop à comprendre le principe. Peut-être qu'on avait du mal à s'entretuer et qu'il y en avait toujours un qui avait le dessus sur l'autre. Là, en tout cas, ça risque d'être plus faisable. Il n'y a pas le « Oh, il lui reste 2 PV ». Les snipers retrouveront la mécanique du quick scoping. Zoomer et tirer quasi simultanément. Vous savez, les quick scopes, les no-scopes, tout ce qui fait rager. Et ça, c'est bon. Présence d'un bouclier anti-émeute en multijoueur. Merci pour les noobs. Les spécialistes seront absents de cet opus. Vous jouerez un soldat lambda. Ok, donc on revient vraiment aux sources. Sans les spécialistes, contre un spécialiste qu'il y aura dans Call of Mobile, ça déjà c'est l'une des différences majeures qu'il y a entre les deux jeux. En appuyant sur une touche, votre arme peut être posée contre une surface verticale ou horizontale afin de réduire le recul. Donc au final ça veut dire qu'on est allongé ou contre une surface et du coup ça nous permet d'être plus précis. Donc encore une fois, c'est des choses vraiment plus performantes, plus précise et c'est ce qu'on demande. Présence de Night Vision en multijoueur. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Les maps contiennent des portes pouvant être ouvertes et fermées. Aïe, ça j'aime pas trop parce qu'à la base les Call of ça se faisait automatiquement. Mais bon, au final pourquoi pas rajouter une mécanique qui peut être plus réaliste si ça nous permet d'être mieux dans le jeu. Toutefois les armes du jeu existent réellement, donc c'est bien, on va pas avoir droit à des armes du futur. Peu importe les mises à jour, le FOV sera réglable sur PC, entre autres options graphiques. Ok, donc ça c'est pour les consoles de salon, ça ne nous concerne pas. Le TTK se rapproche de celui de Call of Duty Ghost. Pour comprendre, on meurt plus vite que dans BO4 ou WW2. Donc c'est bien, c'est de la pure simulation, avec quelques balles, on pourra tuer l'adversaire et ça, c'est bon. Entrons dans le vif du sujet maintenant qu'on connaît les fonctionnalités de Modern Warfare 2019. La date exacte de l'arrivée de la bêta de Call of Duty Modern Warfare aurait fuité en amont de la présentation officielle du multijoueur prévu début août. En fait, Activision, ils ont prévu de faire une bêta, mais pas ouverte aux joueurs, juste pour pouvoir voir le jeu sur Twitch. Les fans de Call of Duty Modern Warfare attendent sans aucun doute avec ferveur la présentation officielle du multijoueur par Activision, fixée au 1er août à 19h sur Twitch, je le rappelle, et qui fera suite à l'amuse-gueule diffusée il y a quelques jours par le biais du mode confrontation, c'était donc le mode 2v2. Il se pourrait que l'éditeur annonce dans la foulée la date d'arrivée de la bêta du titre, mais celle-ci aurait d'ores et déjà fuité si l'on se fie en fait à The Gaming Revolution, c'est un youtubeur qui a déjà fait quand même de nombreux leaks sur l'opus 2019. Ainsi, selon lui, la bêta arriverait le week-end du 23 août sur PlayStation 4 dans un premier temps, puis sur Xbox One un peu plus tard, probablement au cours du week-end suivant. Ça a toujours été comme ça depuis que la PS4 existe. Ils ont la bêta pour les jeux et ensuite, ça va s'ajouter au PC et à la Xbox. Des dates qui font écho à de précédents bruits de couloir ayant lieu en mai dernier. Donc au final, ça veut dire qu'ils étaient déjà d'accord pour sortir la bêta fin août. Moins de 2 semaines à patienter avant qu'Activision et Infinity Ward ne proposent enfin au monde entier la première vidéo de gameplay officielle sur le traditionnel mode multijoueur Call of Duty Modern Warfare. Donc vous l'avez compris, il va y avoir une bêta au mois d'août pour Modern Warfare 2019 et également avec Call of Duty Mobile. Comme vous l'avez compris, il va y avoir 2 bêtas qui vont sortir en même temps. Call of Duty Modern Warfare 2019 et le Call of Duty Mobile. Mais donc ça veut dire concrètement qu'ils peuvent très bien se marier ensemble et donc que l'on peut avoir le jeu exactement comme la date de sortie de MW19. Et on a également des informations concernant la bêta de Call of Duty Mobile. Contrairement aux rumeurs qu'il y avait quelques semaines auparavant où la bêta devait sortir aux États-Unis, ça c'est un tweet officiel que la bêta sera disponible au Canada et en Australie en fait, avec rajouter des pays dans le futur. Donc on y croit à la bêta de Call of Mobile, on y croit à la bêta de MW19. Comme je vous ai dit, les Call of vont vraiment marquer la fin d'année 2019. Ils ont vraiment intérêt à marquer un gros coup. J'ai vu dans un article que la bêta devait arriver normalement sous 48 heures au maximum. Donc là, on est le mercredi 17 juillet, ce qui serait pour ce week-end du 19 ou 20 juillet. Alors avec cet article, ça confirme d'autant plus que la bêta arrive au Canada. Le lancement du nouveau jeu Call of Duty Mobile se poursuit avec une nouvelle région actuellement en phase de test de jeu sur appareil Android uniquement
au Canada. Donc sur iOS, où il va falloir attendre, ou alors vous n'aurez pas accès à la bêta avant une future mise à jour, ou pourquoi pas lorsque ça changera de pays. Ceux qui sont en région Canada, n'hésitez pas à mettre dans la barre des commentaires si vous avez déjà accès au jeu via le Play Store ou si ça n'est pas encore fait. La description du jeu Call of Duty Mobile sur le Google Play Store a été mise à jour afin d'indiquer que les utilisateurs d'Android au Canada et en Australie peuvent désormais commencer à tester le jeu sur mobile s'ils se sont pré-enregistrés sur Google Play Store. Donc là, ça va apporter une affirmation, mais une question surtout que je me posais, ça servait à quoi de se pré-enregistrer sur le Call of Mobile que l'on a tous sur notre store, étant donné qu'il n'y a rien à gagner, comme par exemple sur certaines applications, vous savez, où il y a marqué 500 000 inscriptions, on offre un skin. Là, il n'y a rien de marqué, il y a juste une pré-inscription. Donc là, ça va vraiment apporter une réponse où la pré-inscription, c'est sûr qu'en fait, c'est pour la bêta, c'est-à-dire que toutes les régions du monde seront touchées et du coup, si vous êtes pré-inscrit, logiquement, vous aurez accès à la bêta. Sinon, je vois vraiment pas l'intérêt à quoi ça sert de faire un pré-enregistrement. Ils sortent l'appli, on le télécharge et c'est terminé. Call of Duty Mobile désormais exclusivement en direct au Canada et en Australie, avec d'autres territoires à venir. Restez connectés pour plus de nouvelles. Combattez sur des cartes multijoueurs emblématiques. Ok, blablabla. Activision déploie lentement les régions de test de bêta et les mises à jour de la version Android de Call of Duty Mobile. Il faut savoir qu'en fait, je vous ai dit juste avant que iOS, il va falloir attendre, mais c'est juste que c'est différent par rapport aux plateformes Android. Parce que sur iOS, vous n'avez qu'un système d'exploitation, hormis avec la tablette également. Donc sur Android, il y a plusieurs marques, plusieurs systèmes d'exploitation, plusieurs versions d'exploitation. Donc du coup, c'est quand même beaucoup plus compliqué et c'est pour ça qu'ils veulent d'abord stabiliser la version Android et que iOS, à mon avis, ils sont déjà OP, ils ont déjà tout ce qu'il leur faut. Il n'est peut-être pas encore entièrement disponible au Canada, mais sera déployé bientôt dans cette région. D'autres régions devraient ajouter prochainement avant le lancement complet du jeu, gratuit à jouer plus tard cette année. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette bêta au final? Je pense que le mode zombie va arriver et j'ai vu également qu'il y allait avoir un système de monétisation. Donc apparemment, il n'y aurait pas que le pass de combat ou les skins qui seraient payants, peut-être des DLC, des armes également. Mais là, du coup, ça tuerait vraiment le jeu parce que le jeu n'est pas du tout pay to win pour le moment. Et s'il faut un système de monétisation comme ça, ça casserait le jeu. Concernant l'e-sport avec le jeu, sachez qu'en fait, ça va être ça que ça va poser problème, le fait que ce soit compatible avec les manettes, avec les PC, étant donné que les joueurs pourront uniquement jouer au mobile. Donc oui, pour le fun, ça peut être bien. Mais si vous avez l'intention de vous lancer dans l'e-sport, je vous conseille de vous entraîner uniquement sur le tactile. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que les deux gameplays vont être totalement différents, avec l'un où on enlève le spécialiste, l'autre où on le laisse. Et surtout, en fait, il y a également une autre info concernant MW19, c'est concernant la nuque. Alors tout simplement, ça serait comme MW2, où lorsque vous l'avez, vous gagnez automatiquement la partie, mais elle n'est pas débloquable comme MW2, où avec les séries d'élimination comptées pour avoir la bombe. Non, là, ce qu'il va falloir faire, selon les rumeurs toujours, c'est qu'il va falloir faire 25 kills uniquement à l'arme et à la grenade pour pouvoir avoir la nuque et donc gagner la game. Une différence encore majeure entre les deux jeux au final, où le Call of Mobile ne fait pas gagner la game mais fait uniquement que les kills. Et en plus qui est à 20 kills pour pouvoir l'avoir. Je sais que vous l'attendez tous avec impatience, le mode zombie. Je vais vous mettre un petit gameplay pour vous faire kiffer. Comme on peut le voir, il y a deux modes de jeu dans le zombie. Il y a le story et opération. Le story n'est autre que le mode histoire en fait, où c'est des missions que l'on va devoir faire, aller au checkpoint, survivre le plus longtemps. Et dans ce mode-là, il y a trois maps, mais trois maps dans des maps. C'est-à-dire que quand on va arriver à la deuxième map, en fait, on aura fini des missions et on va devoir continuer pour pouvoir la finir. Et le mode opération, c'est le mode de base que tout le monde connaît, avec le système de survie le plus longtemps possible avec ses coéquipiers. Honnêtement, il n'est pas beau le mode zombie. Les zombies demandent que ça, à être tués, à leur mettre des coups de couteau dans la tête. Mais en tout cas, moi, ce que je kiffe de plus, c'est vraiment la cinématique. Ça te met vraiment dans l'ambiance, comme là, on peut voir comment il ouvre la porte. Ça te met vraiment dans l'ambiance, tu te dis « waouh, doucement ». Et là, oup, il y a un petit zombie qui sort. Du coup, tu as la petite frayeur qui se fait à ce moment-là. Et ça, c'est magnifique. Comme on peut voir en bas, il y a un système de level. Donc, on peut certainement faire progresser son perso et jouer le mode histoire dans différentes difficultés. Par rapport aux petits signes rouges avec les pourcentages, je ne sais pas ce que c'est. On a pu voir dans le deuxième trailer qu'il y avait des boss. Certainement qu'ils seront dans le mode histoire parce qu'il n'y a pas de boss dans le mode opération où on doit survivre, à moins que ce soit une nouveauté, qu'il y ait des boss à tuer tous ensemble. Et ça, ça serait magnifique que par exemple, ils nous décotent un petit tank ou quelque chose pour pouvoir déglinguer le zombie. Donc là, on est dans la dernière map, en fait, où on peut voir que le boss est là, le The Butcher. Et c'est juste magnifique, là, en fait, la pression que l'on a. Et regardez-moi ça, on n'a pas envie de laisser approcher. Ça, c'est vraiment dans le trailer. Donc officiellement, le boss, il est déjà présent. Et on peut voir ses coups de hache qu'il lance pour pouvoir toucher. Je n'ai jamais connu un mode zombie dans les Call of où il y avait du scénario avec des boss à tuer.
Dites-moi le jeu que vous attendez le plus, Call of Mobile ou Modern Warfare, dans la barre des commentaires. Dans tous les cas, je ferai certainement gagner le jeu Modern Warfare 2019. N'oubliez pas de mettre votre pouce bleu, pensez à vous abonner, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Ciao.